Univers, nous y voici, nous y voilà. Salut, salut à tous, c'est Rio et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 51 du playthrough Final Fantasy. Final Fantasy 9, bien sûr, 9. Je pensais qu'elle avait un truc. Peut-être que elle, on va équiper. Ah, en termes d'attaque, c'est moins puissant. Ok. Final Fantasy 9. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Mais moi, ça va très très bien. Ça me fait très plaisir de revenir aujourd'hui pour cette 51e partie du playthrough Final Fantasy 9. Dans cette espèce de ville ou château, je sais pas trop quoi, ou un temple. D'œil vert. Voilà. Toujours pas. On s'était quitté juste là. Bibi. Bibi versus Bibi. Bibi. Ouh la vache. Oh my fucking god. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est Bibi encore? Vache. Voilà. Sur le petit Bibi. La Digidane. Non. Bon là, il peut rien nous faire le petit Bibi. Voilà. Ça l'a calmé. Ça l'a littéralement calmé. Bon, j'espère que vous allez bien cette belle journée. Je vous remercie encore de me suivre toujours autant. Moi je vous dis, ça me fait de plus en plus plaisir de jouer à Final Fantasy IX. J'aime bien comment se déroule l'histoire. Maxi potion. Voilà. Les potions partent vite, hein. N'empêche. Bon là, je sais pas du tout où il faut aller en fait. Mais on va y aller. Je ne sais pas où il faut aller, mais on va y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Un oiseau. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'oiseau, tiens. C'est un toucan. Je rigole. Maelstrom. Ouh, la petite blagounette. Ouh là là, la petite blagounette. Quand même, m'a bien blessé. Amaran. Pas sur Amaran, s'il vous plaît. Ok, bon. Ça a attaqué tout le monde.
Aïe 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 aïe. Voilà. Bon, il m'a tué. Il m'a tué à marrant quand même, hein. Vous avez vu ça? Cet enfoiré de volaille, elle m'a tué à marrant. Bon bah on va devoir le re-soigner. Hein. Utiliser la potion, René. On connaît la musique. Vous connaissez la musique maintenant. Maxi potion. En plus ils ont de plus en plus de vie. Donc faut utiliser de plus en plus de potions. La porte est scellée. On va pas l'ouvrir comme ça. On est revenu là? Ah, alors j'ai peut-être oublié des choses. J'ai peut-être oublié de faire des choses auparavant. Ouais, je pense que ça va être ça. Sachant que j'avais pas été dans un endroit. Attaquer. Ouais. Ah, notre ami Freja, tiens donc. Je me tape une barre s'ils font venir bite. Je me tape une barre, sérieux. Ouh, critique. Le Freja. Ah ouais? Ma Freja, tu vas y passer, Freja. Tu vas y passer. Coup de griffe. Vas-y mon gros, Jidan. Yes, Jidan. C'est bien. C'est bien. Bravo. Et ça monte au niveau supérieur. Bravo, les gars. Et deux maxi potions pour la route. Moi, je dis, vous assurez, c'est bien. Voilà le fameux coffre. Tenue carapace. Du coup on va revenir sur nos pas et on va aller faire un tour à un endroit où on n'a pas été tout à l'heure. Bon, en tout cas les ennemis là sont pas très difficiles. Avec un peu de jugeote, je peux les faire. Alors par contre peut-être que... Ok, Stener. Allez. Je m'appelle Adalbert Stener. Adelner Burhanov Mahane Stener. Je suis en train de complètement délirer là. C'est les combats en fait qui me font délirer. Les combats en fait qui me font délirer, ouais. Vu qu'il faut que je case, faut que je meuble pendant les combats. D'ailleurs, je vois sur la capture, on voit pas grand chose sur la gauche, voilà. J'en suis désolé d'avance, je viens de m'en rendre compte. Amaran, il prend cher à chaque fois. Chaque combat il prend cher. Mais ça paye hein, parce qu'il va bientôt passer niveau 31. Et deux maxi potions.
En tout cas, mes quatre autres personnages, ils vont être à la traîne, hein, sérieux. Ils vont trop être à la traîne au niveau... en level. Donc on n'a pas été par là. Aïe aïe aïe. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de problème comme ça, tiens. Ah non. Ah non, j'avais réglé le problème. Ah là là, qu'est-ce que c'est? Ça va mieux. Non, ça va pas mieux. Ouh là là. Est-ce qu'on peut sauvegarder ici? Je crois qu'avec Kubo on va pouvoir sauvegarder. On en est quoi? On en est qu'à 11 minutes de vidéo. Oh non! Franchement, j'avais. La partie 50 était nickel. Je pense que c'est le jeu qui est endommagé en fait. Je pense que c'est le jeu qui est endommagé parce que ça ne faisait pas ça avant. Top potion. Amarant. Bibi. Ouh, ils font mal, ils commencent à faire mal. Hein. Donc écoutez, ça fait quoi? Ça fait 11 minutes, on va faire une petite, on va faire une petite vidéo. On va faire une vidéo assez courte. Là je vais aller voir les... je vais aller voir Kubo. Je vais peut-être sauvegarder si je peux. Et on va peut-être continuer une ou deux salles et après on va se quitter là. Parce que justement on est à côté d'un point de sauvegarde et j'ai peur en fait que juste après il y a un boss. Il a pris sort. Ok. Je sais pas ce que c'est, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est si vous voulez bien. Alors déjà, niveau objet. On va utiliser un désembrouilleur. Voilà. Et d'abord, attendez, d'abord on va aller au coffre. Robe Gaïa. Alors, je pense que c'est pour Echo, ça, la robe Gaïa, non? Équipement. Robe Gaïa. Oula, au niveau défense. Tout le monde peut utiliser la robe Gaïa? Parce qu'à la limite. Autocution. Pleine lune. Ah ouais, mais du coup ils auront pu ils n'auront plus auto-potion en fait, du coup. À la limite c'est peut-être mieux que je foute ça. Non. Ou alors à Marant si je peux. Ah, marrant, il a autopotion maintenant. Ça lui ferait que du bien. Visiblement, il a autopotion, donc on va voir ça. Compétence. Yes, autopotion. Ça, c'est pas mal. On commence à avoir une belle équipe là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Il ne peut pas encore faire autopotion, lui. D'accord. Ok. On va aller voir le Mog. Ah d'accord, il y a un truc devant. J'ai pas capté. J'ai pas capté qu'il y avait un objet, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'était. D'accord.
Aïe 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 aïe. Ça marchait bien pourtant, hein. Franchement. J'en parlais plus justement. Je m'étais dit ça y est, le problème est résolu, mais finalement. J'en suis désolé d'avance. Et j'espère que dans le CD4, ça ne sera pas la même chose. Ah, tiens donc. Jidan. Jidan versus Jidan. Ouh. Il a fait une de ses esquives. Jidan, c'est moi. Il va me le tuer, non? Oh la vache. Les deux petits vous occupez de Jidan pendant qu'un marrant s'occupe de notre ami la statue maléfique. Et je vois que il n'a plus beaucoup de points de vie à marrant, j'avais pas fait gaffe. Allez! Ah, attends. Voilà. Qui est parfait. Hop, là maintenant tu termines, je pense. Ah, Amaran. Voilà. Deux Jidan sont morts pendant ce combat. Deux Jidan sont morts ce soir. Ok, alors, du coup. On va remettre. Ah, il a 2002 points de vie. Je sais pas s'il y aura un magasin avec le mog là. J'espère. J'ai utilisé la moitié de mes potions. Même plus de la moitié. Je vends une maxi potion, une émeraude et un élixir pour 888 gil les 3. J'en veux pas, t'sais. J'achète une maxi potion, émeraude, élixir. Merci, ça me paiera mon prochain voyage. Et ben bon voyage, Steel Skin. Ah non, il n'y a pas le magasin. Aïe aïe aïe. Allez, on sauvegarde. On sauvegarde. Alors, combien de temps allons-nous jouer? Ouh, presque une heure. Et donc, c'est quoi tente déjà? Pas question. Et on va dans la salle suivante. Bon. Si on y arrive, hein, bien sûr, c'est pas encore dit. C'est pas encore dit. Et je ne sais pas ce que nous allons trouver dans cette prochaine salle. Ok, 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 ok. C'est pour ça que je vais arrêter la vidéo prochainement. Parce que ça commence à bugger comme ça. C'est pas cool. Alors, qu'est-ce qui va nous faire venir là? Peut-être Echo, non? Ah, Quina. Ah. Faudrait pas qu'elle nous bouffe, Quina. Ah, 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 ah. La bonne blague, t'sais.
Je suis sûr en plus qu'elle pourrait nous bouffer le perso. Moi je suis Queena. Bah c'est bien. Ouh, il fait des dégâts, marrant. Ah marrant, il n'est pas marrant. Hein. D'accord. Ouh. Bien joué les potes. Contre-attaque. Ah bien. Ouh. Le combo. Le double combo d'Amaran. Niveau 35. Maxi potion, on est. C'est parfait, Bibi. Bibi devient un mage surpuissant, voilà, je suis fier de lui. Hein. Son grand-père serait fier de lui. Ah d'accord, donc ça me fait ça dès que je change de salle. Hein. J'ai l'impression. Ok. Ah. Allez, on y croit. Alors, il faudrait que je sache. Ok. Donc, il n'y a rien à faire ici. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je ne sais pas. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter devant ce grand trou noir, voilà. Et on se retrouvera ici. Enfin, on se retrouvera au niveau du Mog. Voilà, de Kubo. Voilà, donc ce sera une petite vidéo, une courte vidéo ici. Donc c'était un peu d'exploration de la ville de Yeux Verts. Là, c'est vrai que j'ignore ce qu'il faut faire dans cette salle. Visiblement, il n'y a pas d'ennemis qui apparaissent. Il y en a visiblement un trou géant. Eh, franchement, je sais pas vous. Pour tous les fans de Star Wars, est-ce que ça vous fait pas penser au trou, enfin au... à la cité des nuages là, Bespin là, Bespin, je sais pas comment dire, ouais, la cité des nuages dans l'épisode 5, à la toute fin de l'épisode 5, là quand Luke se bat contre son père, contre Vador, quand justement il dit que c'est son père et qu'il saute dans le trou là, et ben ça me fait trop penser à ça en fait. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à ça. Vive les références. Bon, sur ce, allez, j'ai trop parlé. Cette fois-ci, j'ai trop parlé, ouais. J'ai trop parlé et je vais vous laisser. Profitez de cette belle journée, belle soirée, je ne sais pas pour vous. Pour moi, c'est une belle journée qui s'annonce. Une journée ensoleillée. En ces vacances de février. Ça rime en plus. Donc, je vous laisse, je vous quitte. Et je vous retrouve prochainement pour la partie 52. Du playthrough Final Fantasy IX, et j'espère qu'on sortira de cette ville, qu'on trouvera ce qu'il faut faire et que nous sortirons d'Yeux Verts. Voilà. Sur ce, carpe diem et à la prochaine. Salut à tous.